Et alors en deux, les produits de rasage. Oui, les lames de rasoir. Ahmed Silla, en tout cas, a choisi, je crois, un sujet avec lequel on peut s'amuser. J'espère qu'on va s'amuser. C'est à lui de nous amuser avec le fromage et les produits de rasage les plus volés dans les supermarchés. Tu l'as pris ou pas? Tu l'as pris ou pas? Tu l'as pris ou pas? Le camembert, tu l'as pris ou pas? Eh ben voilà, on y est! Et le rasoir aussi! Eh ben voilà! On y est! T'as enfin décidé d'arrêter de te foutre de ma gueule, toi, hein? De toute façon, je vais dire, on a des témoins. C'est des lance-bas et des bolos. Vous avez le don d'inventer des mots, vous, les bolos, ça, qu'est-ce que... Belle mentale. Écoute, avec ce qui te prend au nez, le camembert et le rasoir, pour toi, c'est minimum la perpète. Minimum! Hein? Au vu de l'article 4, alinéa 7 du code pénal des supermarchés publics, c'est minimum la perpète. Hein? Oui, Gérard? Un double meurtre sur une personne âgée? En réunion? Écoute, Gérard, j'ai des priorités, je veux dire, le suspect que j'ai en face de moi, je ne veux pas qu'il s'en sorte. D'accord? Hein? Alors ta vieille, elle fait comme tout le monde, elle attend son tour. De toute façon, elle n'est pas pressée à ce que je sache. Eh ben voilà! Alors tu m'envoies, s'il te plaît, les témoins de l'affaire Camembert, un par un. Merci. Bonjour, monsieur l'agent. Oui. Ah, c'est moi la première à avoir vu la personne voler. Oui. Bah écoutez, si vous voulez, moi je parle avec Béatrice, hein, ma collègue. Bah, préfère qu'on l'appelle Béa, hein, comme sur son compte Facebook. Et puis, bah, elle a pris Camembert. Ah, je peux même vous dire la marque, hein, je me rappelle comme si c'était hier. Ah, c'était hier. Ah, d'accord. Je peux vous dire la marque. Hein. On m'a dit qu'on était filmé. Bon, écoute. Voilà, c'est ça, Babybel. Voilà. Et bien écoutez, bah, le fromage, bah, elle a carrément mis. Ah bah vous savez, bah, à l'endroit où quand on a des champignons, ça ne veut pas forcément dire qu'on a fait un bon fromage. Hein. Dans sa culotte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai tout de suite fait un signe discret au vigile. Ah bah comme on nous a appris en formation. Discrétion. Voilà comme ça. Ah ben le vigile a clairement fait son travail, hein. Ah, remarquablement bien d'ailleurs. Ah oui. Bah, bonjour monsieur l'agent. Bon bah si vous voulez, moi j'étais au Pelouse. Ah, au PC, excusez-moi, au PC, ouais. Pardon? Bah je vais vous parler en termes techniques, on est un peu de la maison, hein. Non? Très bien. Que je ne vous retape plus de manière amicale et détendue sur l'épaule. D'accord. Bah écoutez, moi, si vous voulez, moi, j'étais au PC, donc au poste de contrôle. Et puis, bon, bah, j'ai vu le suspect, hein, à la vidéocontrôle. Hein? Bon, alors, ce que j'ai vu, hein, directement, donc, c'est qu'elle a pris le colis. Elle l'a introduit, bon, bah, dans son pantalon. Hein? Ah, bah, pour moi, le voile était consommé. Hein. Ah, ouais. Le voile était consommé, date de péremption dépassée, je suis descendu en reconnaissance. Hein. Ouais. Bon là, l'agent de caisse au P12 m'a clairement fait signe que bon, bah, fallait que j'intervienne, alors j'ai intervenu. Hein. Bon, je me suis levé comme ça, en discrétion, toujours. J'ai sifflé. Tu es ici. Tu es ici. Bon voilà, bah, refus d'obtempérer, je lui ai mis un direct au menton. Donc là, c'est allongé, si vous voulez, par terre, je l'ai mis en PLS, en position latérale de soumission. Et puis là, bah, j'ai attendu les FDO, hein. Ouais, les forces de l'ordre. Ah, c'est bon de se sentir compris. Ouais. Oui, j'ai pris camembert. Oui, rasoir aussi. Écoute-moi bien, sale kef de mes deux. Hein? De toute façon, c'est que des balances. Hein? Et c'est que des bolos aussi. Tu sais pas ce que c'est qu'un bolos. Mais même Jean-Benguigui sait ce que c'est qu'un bolos. Hein? Écoute-moi bien, sale kef.
Si le gouvernement passait moins de temps à augmenter l'âge des retraites et passait plus de temps à augmenter les pensions de retraite, je serais pas obligé de voler pour me raser la moustache du con. Et puis... Je vais te dire un truc, tu manques pas d'air, toi. Ah, tu manques pas d'air. Comment t'aurais fait si j'avais jamais frôlé de fromage pour tes pizzas, hein? Alors ferme ta gueule et rends-moi mon camembert du con. Chut, oh, maman, il y a les collègues, là. Tu te calmes. Puis je vais pas t'arrêter tous les mois, hein? T'es incontinente, vole des couches. Ce sera moins grave. Hein? Et puis je vais te dire un truc, hein. Si tu continues comme ça, ton fromage, tu vas le partager avec les rats de Fleury-Mérogis. Et puis je te préviens, là-bas, c'est pas la moustache que tu vas te raser, c'est les murs. D'accord? Alors tu prends ton sac de fromage et tu dégages. Et que je surprenne pas. Voilà. En fait, maman, ce soir, tu peux me faire une quiche? Ahmed Silla, c'était son deuxième passage. On le note tous en même temps. On ne se laisse pas influencer par son voisin ou sa voisine, dans le jury, mais dans le public, même chose. On peut avoir quelqu'un qui a adoré, quelqu'un qui a détesté. Il faut juger en son âme et conscience. Ne regardez pas la note du voisin. Moi, je ne regarde pas. Ahmed Silla, voici vos notes pour le deuxième passage. Éric Métayer vous donne 15. Isabelle Mergaud, 14. Non, j'ai mis 18. Non, comment c'est possible? C'est toi? Mais non, j'ai rien touché. Moi. Jean, vous avez mis combien? J'ai mis 14. Ah bah voilà. Non. Ça a été inversé. Et je vais vous m'expliquer sur ce 18. Mais on aura compris que c'est vous qui avez mis 18, Isabelle, c'est oui. ça? Et vous, Jean, qui avez mis 14. Mais juste pour que les gens voient, mettez-vous à la place de 18, Isabelle, et vous, Jean, à la place de 14. Voilà. Oh non. Mais les gens, ils sont pas cons à ce point-là, quand même. S'ils vont bien comprendre. Mais le public. Attendez. Abonnez-vous en cliquant ici.